Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Philippe Legoupy d'Hexagone Production Software nous explique comment le module automation de NCSimul permet désormais l'exécution des tâches en automatique et les avantages qui en découlent. Donc le nouveau module Automation d'NCSimul, sorti en février de cette année, donc permet aux utilisateurs d'utiliser au mieux leur licence, donc de pouvoir postponer de lancer des traitements le soir ou le midi sur des travaux, et de pas rester devant le logiciel pour avoir le résultat, donc attendre la notification de fin de traitement et consulter rapidement ces travaux. Le gros plus d'automation, c'est qu'on est capable maintenant de customiser pour chaque client les tâches à effectuer. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas le logiciel qu'on utilise en interactif qu'on va utiliser en automation, c'est des parties. Et on peut cumuler différentes tâches et utiliser des standards entreprises, notamment pour tout ce qui est paramétrage. Donc on est sûr que quand on va envoyer quelque chose via l'automation, tous les travaux respecteront les mêmes paramétrages. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros plus, c'est la partie customisation. Et le dernier gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de raison de ne pas utiliser la simulation pour la moindre modif. C'était un peu une contrainte aujourd'hui, c'est que les gens trouvent fastidieux pour une petite modif mineure de recharger un logiciel, d'attendre un résultat. Là, on peut garantir que tous les programmes envoyés à l'atelier seront simulés parce que les gens n'auront plus de frein à utiliser la simulation. Donc ça, c'est le gros avantage de l'automation, c'est de pouvoir lancer une tâche et d'attendre juste le résultat et faire autre chose en attendant. Voilà, donc ça, c'est les gros avantages de NCSimul Automation, nouvelle version. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.